Vas-y, regarde la tête que j'ai fait. Je vois pas, c'est trop pixelisé, je vois pas tes yeux. Ah, dommage. Je suis en mode. J'ai fait un. J'ai failli manger une pierre là quand même. Ouais, regarde, j'ai regardé là-bas, il y avait Wamoon et. Regarde, j'ai fait coucou. Et puis je suis parti. Et puis c'est ici en fait qu'on va faire le truc. Pas jouer, Du coup, ok. c'est Bah, c'est vraiment grand, juste à côté. Ouais, c'est grand, hein. Et du coup. hein. Oh, et le nombre de No Kenin qui est secteur 5? Ouais, c'est secteur 5, c'est là où t'as tous les Nukenin, regarde. Attends. Là, c'est Konoha, Suna. Ah, mais on voit. T'as vu les Nukenin? Ah, oui, voilà. Et là, je regardais, je dis, waouh, il y a beaucoup de Nukenin. Parce qu'il y a la Yuguri, tu vois. Et justement, j'étais allé revoir la Yuguri. Et nous, on a le droit de rentrer dedans, pas? Ouais. Nous, ils nous feront rien parce qu'on est des Nukenin. L'autre truc que je voulais te montrer, je voulais te montrer les poteaux vite fait en temps réel. Ouais, voilà. Et alors, tu vois, il y en aura un ici. Il y en a un là-bas, à droite. Il y a celui-là en rouge qui est juste en face de Konoha. Du truc de Konoha. Et celui des. Bon, mon saut il va être nul, voilà, j'ai raté. Et puis t'as celui des Nukenin, il va être. Il est un peu excentré et un peu moins bien À fait. gauche. Ouais, tu normalement on l'a vu vite fait. Attends, je crois que je vais rebouger. Voilà, tu vois, là t'avais le jaune. Le jaune, tu vois, le mauve il est bien placé en vrai. Tu vois, t'as une grande zone où ils peuvent venir. Jaune aussi. Le rouge aussi. Tu vois, il y a vraiment à chaque fois des grands espaces là-bas d'où ils savent venir. Et puis t'as le gris où c'est un peu moins un peu plus excentré et un peu moins Visible. visible. Regarde, il est là. Il est ici, en bas à Ouais. gauche. Et du coup, c'est de là qu'ils pourront venir. Tu vois, il y a encore un truc là-bas, mais j'allais pas le mettre ici. Tu vois, j'allais pas le mettre juste ici. Ça aurait été beaucoup, beaucoup trop loin si je le mettais. Dans le coin là. Même si jamais ça aurait été aussi logique parce qu'il y a une Non, entrée c'est par bien. là. Et du coup, je l'ai mis là, il n'y a pas de chemin qui va par là, mais bon, ça fait une entrée plus discrète pour le Nukenin. Surtout que les Nukenin aussi, c'est des déserteurs, des trucs, etc. Du coup, Là, c'est c'est chaud déjà de juste venir. du. Maintenant, ils seront tous masqués, quoi. J'ai mis dans le message, je vous invite à venir masquer ou pas, à vous de voir. Du coup, voilà, c'est cool. Par contre, moi je te propose un truc, c'est qu'à la sortie, tu sais, quand ce sera fini, de pas faire sortir tout le monde en même temps parce que ça peut Non, attendre à la oui, sortie ou quoi, tu vois. exactement. C'est en fait j'allais faire 2 minutes entre chaque sortie de salle. Ouais, même un peu plus en Et vrai. non, juste 2 minutes en vrai sera largement suffisant avec les gardes à l'extérieur qui vont se charger de Les faire partir. dégager. Ouais. Konoha qui sort en dernier parce qu'ils ont leur bastion à côté. Mais je pense que ce sera un Nukenin en premier. Oh, ouais, Nukenin, logique en vrai. Hein. Nukenin, et puis après on s'en fiche si c'est Suna ou Ame, on s'en fout complètement. Et du coup l'un des deux qui sort, et après c'est Suna ou Ame, ou Ame ou Suna, bon, on s'en fiche de l'ordre. Et puis après en dernier Konoha. Qu'eux ils sortent, ils font 1 minute, même pas 30 En secondes, soi, même nous, hein, que ils ça vont nous être attende là. pas à la sortie, que ça nous. Mais non, nous t'inquiète, on aura des gens et tout. Et moi ça va, il y a tout le monde qui m'aime et tout normalement. Espérons que. Après, ils peuvent t'aimer, mais tu sais, l'argent. Ils Ouais, feraient je vois. après tout pour avoir de l'argent. Bon, on verra à ce moment-là, mais normalement je pense que ça devrait aller. Oui. Sauf si au moment ils veulent faire les bâtards, mais. Non, mais non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Oui, quelle heure? Ouais. Bah, 4h38. 4h38. Attends, il y a un truc que je voulais montrer aussi et que j'ai oublié. Ouais. Je vais changer le truc. Tu veux me montrer un dernier truc? Ouais, très très vite. Vas-y. C'était là, tu vois, par rapport à ça. Regarde, je sais pas si tu l'as lu en entier ou tu l'as pas regardé. Non, j'ai eu une petite partie au début et après j'ai arrêté là. Il y a mes citations, vous venant.
ninjas venant de part et d'autre de ce monde, vous êtes invité à participer à la grande vente aux enchères intervillage organisée par le grand marchand Frochet. Ocrevaz ici vous proposera une gamme d'articles de catégories diverses et variées, notamment des équipements T3 ou T4, des shurikens, des masques, virgule fortuitement. Mais ce n'est pas tout, il a pensé à tous et vous propose donc de le contacter, putain j'ai fait ça, MP Discord quoi, afin de lui confier vos objets. Il se fera un plaisir de les vendre pour vous. Ceux-ci seront soumis à une taxe de 5% du montant de la vente. Vous pourrez apercevoir Foroshi et la maquette du bâtiment sur le lieu où se déroulera les enchères. Celles-ci dérouleront au pays des cerisiers, au-dessus de l'axe se trouve à côté du domaine des fleurs. Les enchères débuteront à 18h et chaque village disposera de sa propre entrée, comme montré sur les images rouge Konoha, mauve Ame, jaune Suna, gris blanc Nikinin. Vous êtes invité à venir avec ou sans masque, à vous de voir. Chaque partie aura sa propre salle de taille identique aux autres. Voir les images, le bâtiment est renforcé par des matériaux de qualité protégés par les gardes d'élite. Gare aux troubles faites. Et puis voilà, et j'ai même mis du coup le PS qui est ici. Hop. Vous voyez ici l'aventure du joueur en direct. Avec le lien truc. Et puis j'ai oublié de le mettre directement au début parce que je voulais que ça fasse deux images l'une à côté de l'autre, mais tant pis. Oh non, ça rend bien comme ça. Et du coup, c'est pas mal. J'aime bien les petites images que j'ai fait là. Avec moi, je suis en mode. Eh ouais, les gars, c'est ici que ça se passe. Et t'as le boss. Là, je me suis pris tout seul en truc avec la caméra là. Et en plus, tu vois, t'as le contexte, tu vois, t'as le lac derrière, t'as le truc où on voit bien. J'ai essayé de bien mettre la caméra pour qu'on voit toutes les entrées. Tous les carrés. Avec. Comme ça, les gens comprennent. Et puis voilà. Et là, en vrai, dommage que le plan, que la maquette, je l'ai pas mis dans l'autre sens. Comme ça, on voit le rouge, il aurait été à la bonne place. Parce que normalement, le rouge, il est censé être de ce proche de moi, proche d'ici. Mais après, bon, les gens ont compris. Et de toute façon, dans le truc d'après, dans la maquette, on voit. Oui, mais de toute façon. Les mecs qui vont voir leur poteau, ils vont aller. Je sais pas si je vais mettre des poteaux ou je pense que je vais plutôt mettre. Des drapeaux. En vrai, mais les drapeaux. Des drapeaux. J'aurais mis les drapeaux moi. Ouais, c'est vrai. J'aurais mis les drapeaux des villages. Soit on met les drapeaux des villages, soit on met. Parce que pour Nikenu, il n'y a pas, tu vois. Si. Si. Il y en a un, Nikenu, je crois. Ouais. Parce que dans le pire des cas, tu sais, moi j'aurais pensé à mettre des lampes de couleur, tu vois. Ou sinon, c'est ce que tu c'est fais. Plus visible, je trouve. Tu mets carrément le mur de la couleur du village, hein, avec le drapeau juste devant. On peut faire plus simple encore. On peut mettre directement les plateformes de la couleur du village. Ouais, bah voilà. Les plateformes pour rentrer dedans. Ouais. Et du coup, là, si un mec il dit, oh, je me suis trompé de couleur, tu marches sur quoi là, mec? Tu forces là. Après, pour les daltoniens. En vrai, même. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, même pour les daltoniens, les daltoniens. Normalement, à force, ils savent. Ouais, voilà. Ils savent que eux, ils vont voir vert le rouge, mais ils savent que le si jamais ils le voir vert, c'est rouge, quoi. Ils savent très bien. Ouais. Faut pas se foutre. Ok, c'est un enfant, là, ouais. Mais si jamais le gars, il a 20 ans, faut pas déconner. Hein. 20 ans de sa vie, il a vécu un daltonien et genre il sait pas reconnaître du rouge. Voilà. Et en plus, les couleurs sont assez pétantes, on connaît quoi. Mais vas-y, je vais te laisser. Vas-y. T'es en train de mourir de. Si, je m'endormir. Je vois ça, je vois genre ça. On va être tranquille, de toute façon, on se revoit demain. Ouais. Vas-y, bonne nuit. Tu joues dès 16h? Ouais, dès 16h, je vais venir. En vrai, on verra, hein, de toute façon, si tu m'envoies un message sur Discord. Et on peut faire ça soit dès le début du serveur, soit un peu plus tard, c'est comme tu veux. Et on sera le. On construira, comme ça, on pourra, comme j'ai dit, essayer de voir si on peut. Avec le peu de matériaux qu'on a. Attends, on en a. En vrai, je peux déjà calculer. Tu sais combien on en a de base ou pas? Non. Ok, attends, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24. On a 24, je crois. On a. Attends, c'est simple. C'est simple parce que moi, quand je mettais les chaises pour faire les examens, je mettais 20, entre 20 et 30 chaises, j'avais plus de props. C'est 24, je crois. Parce que regarde, moi, je viens de compter ma maquette. Et ma maquette, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et après, j'avais les 4 poteaux en plus. Du coup, ça fait Après, là, 24. t'as fait une petite maquette. C'est-à-dire qu'en mode. La maquette, j'avais plus rien après. Hein. Tu pouvais plus rien faire? Attends. Ah merde, j'ai oublié de compter qu'il y avait deux roues. C'est 25 qu'on peut mettre. Ok, mais c'est-à-dire que 25 en petite taille, quoi. Non. Peut-être on va devoir Non, non, agrandir non, non, non. les. C'est pas 25 en petite taille, c'est 25 props tout court. Ok. Ah, mais oui, mais non, oui, c'est vrai qu'on va devoir mettre plus de props. Parce que déjà, les murs, tu vois Non, bien qu'ils parce que sont les murs. ils sont pas bien mis et qu'il y a des espaces entre. Et même pour faire la taille de ce mur en géant, je pense qu'il va falloir mettre 3-4 props, tu vois. Non, en vrai, non, il y a des très grands props. Après, ça dépend si jamais ils les ont blacklist. Mais il y a des grands props. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas blacklist. Sinon, au pire, je te dis, je demande à. Ouais, c'est ça, je J'envoie comme un tu me dis, MP au truc, sinon, c'est bon. t'as les contacts et tout, et si jamais ils sont réactifs avec toi, c'est cool. Oh, ouais. Du coup, voilà, tu pourras pas mal m'aider à ce niveau-là. Et on sera bien, quoi. En plus, Je sais regarde, pas ça a s'il est été co là. accepté par les gérants et tout. Regarde, c'est même le gérant serveur qui m'a mis l'everyone. Que de demander de plus? Ouais, c'est bien ça. Vas-y, fourreau. Vas-y, bonne nuit. Attends, je vais mourir là. Et demain, 16h pile, je sais pas. Et 16h30 sur je suis là. Ah oui, mais moi aussi, hein, c'est que le temps que lance mon live, que je me mets bien et tout. On dit entre 16 et 17 quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, bah vas-y à On se demain, fourreau. connecte direct serveur 5 du coup. Ouais, carrément. Et en vocal Discord. Je te Yes. laisserai m'envoyer un message comme ça tu vas déjà dans le truc et moi je te rejoins. Ou bien tu m'enverras Comment ça? sur Discord. De toute façon, moi dès que je suis coach, je viens dans le vocal. Hein. Ok. Ouais, Et je viendrai sur ton live, t'inquiète. tu viendras à ce moment-là, tu me dis je suis sur le Ouais. vocal et je te rejoindrai. Vas-y, ça marche pour vous. Vas-y, à demain. Ouais, à demain. Allez, à demain. Bon, du coup les gars, mais moi en vrai je vais m'arrêter, comme ça je pourrai aller me reposer. Et pour être bien pour demain. Comme ça on est cool. On est bien, on est bien. Hop, bonne nuit aura. Qu'est-ce que je voulais faire déjà aussi? Le commerce, c'est bon. Ouais, c'est ça que je dois faire. Alors. En vrai, j'ai pas mal de rediffusions. Hein. La dernière diffusion, c'est 184, 124, 43. Bon, 43, les affaires, c'était 43. 171, 160, 190.
Du Pourcentage du prix de vente. Plus que ce que oh. Une fois vendu, égal à... Avec l'organisateur, je mets.
Ok, c'est bon. Sur ce, les gars, je vous dis donc bonne nuit et à la prochaine. Et salut les gars!